Dans les montagnes sacrées de l'Himalaya bouddhiste, rien ne peut surprendre, rien ne doit surprendre. Sur cette terre où le moindre souffle de vent devient la respiration d'un dieu, les mondes merveilleux sont innombrables. Et comme des pèlerins partis à la quête d'un trésor, on s'y promènerait presque impunément. Dans ce monde, les apparences ne sont pas plus réelles que des visions. Les sons, comme surgis de l'espace, font partie du silence. Et histoire et légende se confondent. Le plus important pour moi, c'est d'être ici à Bodh Nath et de pouvoir offrir mes prosternations au grand stupa. Les pratiques bouddhistes sont semblables à un morceau de sucre. On peut mordre dans le morceau, ici, là ou là. On le goûte de n'importe quel côté, il est sucré. Pour chaque individu, il y a une pratique qui correspond. Aucune d'entre elles n'a plus de valeur que les autres. Faire un pèlerinage, offrir des prosternations, méditer en retraite, tous ces moyens sont identiques. Au Népal, dans une vallée située au cœur de l'Himalaya, la ville mythique de Katmandou, au temple doré et au fronton de bois sculpté, s'étale de manière tentaculaire, englobant petit à petit dans sa banlieue et sa pollution, rizières et villages des alentours. Pourtant, l'un d'entre eux, Bodh Nath, ce qui en népalais signifie le village du Bouddha, reste un petit univers dont les aspects merveilleux se mesurent à la paix qui y rayonne encore. C'est ici que se trouve le grand stupa. Lorsque nous sommes venus ici pour la première fois, nous avons été étonnés puis émerveillés par l'énergie qui animait ce lieu. À quelles pratiques étranges servait ce gros monument rond dans lequel personne ne pouvait pénétrer et qui était vénéré comme un dieu? Alors nous sommes revenus encore et encore.
Et à chaque tour de stupa, à chaque nouvelle rencontre, nous avons compris un peu plus de la règle qui gouverne ce lieu. Notre famille est arrivée ici il y a longtemps pour s'occuper du stupa. Mon grand-père et son père, et le père de son père, ils sont tous nés ici pour s'en occuper. Nous avons la grande fortune d'avoir toujours été là. Nous sommes nés à Bodhnath, nous vivons à Bodhnath et nous mourrons à Bodhnath. Chaque jour, dès l'instant où l'on se lève le matin jusqu'au moment de se coucher le soir, on se mélange avec le stupa, on y pratique, on prie, on tourne autour depuis notre enfance. On tourne toujours autour du stupa dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne connais pas en termes bouddhistes les raisons pour lesquelles on circule toujours de la gauche vers la droite. Simplement parce qu'avant nous, les gens ont toujours tourné dans ce sens. Alors nous aussi, nous suivons la même tradition. Dans ce monde où tout est mouvement, on a d'abord l'impression d'être le spectateur d'une marche incessante vers on ne sait quel but. Une procession où chacun, constamment, reviendrait à la même place. Cela évoque ce que les bouddhistes appellent le samsara, cet univers circulaire dans lequel les êtres vivants errent sans fin. Ils passent ainsi d'un paradis aux enfers et du règne animal au monde des hommes, soumis aux résultats des actions qu'ils ont engagées dans leur vie passée. Une fuite en avant d'existence en existence, jusqu'à ce que purifiés de leur ignorance, ils quittent cette ronde incessante en atteignant l'éveil du Bouddha. Sonam vient chaque matin se joindre aux marcheurs, puis il retourne bien vite s'occuper de son hôtel, le Happy Valley. C'est bénéfique de renaître dans un tel endroit, surtout pour la paix que cela procure à l'esprit. C'est aussi un lieu propice au travail. On peut en trouver facilement et surtout, on peut tourner autour du stupa, avoir un lieu pour la pratique religieuse. Ailleurs, il n'y a pas d'endroit comme ça pour se promener. Où pourrait-on aller ? Se promener juste comme ça dans les montagnes ? Mais où aller ? Il n'y a pas d'endroit comme ici. Pour la pratique religieuse, on a besoin de statues. Et si l'on veut des statues, ici, il y en a. Si on veut des déités, il y a des déités. Et si l'on veut simplement se promener, ici, il y a un endroit parfait pour le faire. Les gens viennent de partout pour vivre ici. Ils se construisent des maisons. Il y en a tellement maintenant. Pourquoi les gens viennent s'installer ici ? Pour pouvoir se promener autour du stupa. Je suis ici depuis ma naissance et toute ma vie, j'ai eu de la dévotion pour le stupa. Dès que je me lève le matin, je me sens en paix, et quand je vois les yeux du stupa qui me regardent, la paix envahit mon esprit. C'est vraiment agréable de ressentir ça. Ici, j'ai la charge du stupa et j'ai la responsabilité des cérémonies. Dans l'année, il y a 4 ou 5 fêtes pour lesquelles il faut faire de grandes cérémonies. Je m'occupe aussi de pourvoir aux besoins des pèlerins. Il faut leur donner des informations sur le stupa. Et puis expliquer aux étrangers, les guider. Il y a 2500 ans, le Bouddha Shakyamuni,
a enseigné aux hommes une voie qui leur permettait de se libérer de la souffrance. Depuis cette époque, ces enseignements ont été transmis verbalement de maître à disciple, sans aucune interruption, d'abord en Inde, puis ensuite au Tibet. Gyani est le lama du stupa, son prieur. Il le sert chaque jour du matin au soir. Comme le veut la tradition, il restera un étudiant toute sa vie et devra lui aussi parcourir pas à pas ce chemin qui mène à la libération. Pour cela, il suit les enseignements d'un maître spirituel, Trulshi Rinpoche, qui lui-même les a reçus de son propre maître. C'est de cette manière que la transmission peut remonter jusqu'au Bouddha. Le monastère de Sechen est situé à quelques centaines de mètres du grand stupa. Aujourd'hui, il accueille le début d'un cycle d'études qui durera 3 mois. Durant cette période, des milliers de moines, lamas et laïcs, recevront de Trulshi Rinpoche les enseignements du Bouddha. Trulshi Rinpoche est né au Tibet. Il est l'un des enseignants les plus érudits et respectés dans la tradition du bouddhisme tibétain. Héritier spirituel de Padmasambhava, il est aussi l'un des maîtres du Dalai Lama. On génère des bienfaits incroyables en construisant des représentations du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha. Mais ce qui symbolise précisément l'esprit du Bouddha, c'est le stupa. On acquiert aussi des bienfaits immenses par le fait de tourner autour. On obtient en particulier la possibilité de se purifier de toutes ses imperfections, d'augmenter son énergie positive, la durée de sa vie, sa prospérité et toutes les qualités ordinaires. Un stupa contribue de façon majeure à la paix dans le monde. Il dissipe les causes et les conditions qui génèrent des famines, des guerres, des conflits. La construction d'un stupa est soumise à des règles extrêmement précises. On ne le construit pas au hasard, mais à un point précis de la terre. Pour symboliser la paix, on enterre dans son socle des objets qui peuvent nuire au monde, comme des couteaux, des fusils, des sabres. Au-dessus, on installe des vases remplis de fleurs, de graines, de fruits et de miel, cela pour régénérer ce que l'on a pris à la terre. Ensuite, en son centre, on dresse une poutre de cèdre qui va de sa base au sommet, sa colonne vertébrale, et tout autour de cette poutre, on remplit le stupa avec des textes sacrés, des figurines en terre qui représentent les formes du Bouddha ou des miniatures du stupa. À son sommet, on installe les reliques d'un grand saint. Tout cela a pour but de créer une sorte de corne d'abondance, un émetteur de paix. Je
Le stupa représente donc l'esprit du Bouddha. Dans son interprétation la plus simple, la base du stupa représente le trône du Bouddha et les quatre gradins symbolisent les quatre robes du moine. Le gradin du bas est le tapis, le second la jupe monastique, le troisième le châle, et pour le quatrième gradin, il s'agit de la pièce d'étoffe supérieure qui compte 108 petits morceaux cousus. Le dôme du stupa représente le bol de mendiant. Les 13 niveaux de la flèche symbolisent le bâton de pèlerin. Lors de notre première visite ici, ce sont Asok et Jikten qui ont en charge l'apparence du stupa. Ils sont parmi les seuls à pouvoir monter là-haut. Ils sont peintres, comme leurs ancêtres et comme ceux qui viendront après eux. Alors pour quelques heures, quelques jours, quelques années, ils sont les favoris des dieux, barbouilleurs célestes. Je m'appelle Larpa Tsum Tsum. Nous sommes un groupe de femmes qui effectuons ce travail de nettoyage bénévolement. Au Tibet, les stupas ont été détruits. Ici, au Népal, ce stupa, le stupa de Jarum Kachor, personne ne l'a jamais abîmé. Alors, c'est un lieu très important. Oh, ce stupa, il remonte très loin, au-delà des générations de nos grands-parents et leurs grands-parents. Il remonte aux premières générations, plus loin que ce que l'on connaît, avant même l'époque de nos ancêtres. Si le stupa n'était pas nettoyé, s'il devenait sale, c'est comme si on ne se lavait pas le corps. Il commencerait à puer. Quand on ne se lave pas, on devient malsain. Pour le stupa, c'est pareil. Trois ou quatre fois par mois, de riches pèlerins font des offrandes pour que le stupa soit repeint. Ils donnent de l'argent, mais participent aussi aux achats de lait, d'herbes médicinales et de beurre qui, mélangés à la chaux, servent à le blanchir. On utilise du safran pour dessiner sur son dôme les pétales du lotus, symbole de pureté.
On dit que le stupa exauce toujours les vœux de ceux qui l'honorent et que chacun peut lui manifester ses espoirs secrets. Asok et Jitten, eux aussi, font des souhaits pour leur avenir. Peut-être encore un peu des souhaits d'enfant. Asok, lui, voudrait devenir militaire. J'ai déjà essayé de me faire accepter par l'armée, mais je n'ai pas réussi. Vous savez, l'armée, les militaires. J'ai souvent essayé, mais cela n'a pas marché. Je vais continuer de tenter ma chance, et je voudrais bien y arriver. Est-ce que je serais content si mon fils travaillait ici? Oui, je peux dire que j'en serais très content. Parce que c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai grandi, et que mes parents, mes ancêtres, ont tous vécu. Donc, je serais content s'ils travaillaient à Bonnat. Pourtant, il y a toujours la possibilité que mon fils ne suive pas ce qu'ont fait ses ancêtres. Et je pense, j'aimerais bien, ce serait une bonne chose qu'il devienne quelqu'un d'important. Un grand officier dans la police ou dans l'armée, ou un ingénieur, ou un médecin. Mais c'est vrai que, supposons que je me marie et que j'ai un fils, s'il faisait ce travail à bonne note, oui, j'en serais content. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je prendrai ce que je trouve. Je voudrais bien conduire un camion. Tous mes copains habitent auprès du stupa. On allait à l'école ensemble et on l'a arrêté ensemble il y a 9 ans. Je ne crois pas que c'était une bonne idée. Il existe un livre dans lequel on raconte l'histoire du stupa et les bienfaits engendrés par le fait de tourner autour, de lui offrir de l'or, de l'encens, le son d'une cloche, du safran ou de l'eau. Tout y est décrit avec une telle minutie que si vous me demandiez de vous le lire, même en 3 jours, je n'arriverais pas à le finir. Vous voulez que je vous la raconte? Alors, voilà, l'histoire du grand stupa. Dans le temps jadis, sur cette terre, bien avant qu'il n'existe quoi que ce soit ici à Bonnat, le Bouddha de la compassion Chenrezi, dont il y a une statue ici, regardez ce qu'il y avait à faire dans ce monde de souffrance. Or, son travail, c'est d'amener tous les êtres à l'éveil, ou l'état de paix. Il visita alors tous les mondes et alla jusqu'aux enfers pour voir combien d'êtres s'y trouvaient et combien avaient besoin de son aide. Il en compta des milliards et des milliards, innombrables. Il en fut rempli de compassion et une larme apparut dans chacun de ses yeux. Il fit alors le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance et de ces 2 larmes naquirent 2 déesses, Purna et Apurna. L'une des 2, Apurna, décida alors de naître dans le monde des humains afin d'y construire un grand stupa pour pacifier la terre. Devenue adulte, Apurna se maria d'abord à un marchand de cochons dont elle eut un fils. Après le décès de ce premier mari, elle prit un deuxième époux et ainsi de suite. Un marchand de chevaux, un marchand de chiens et un marchand de poules. Et elle eut 4 fils avec ses 4 maris successifs. Apurna, qui avait été assez pauvre dans sa jeunesse, s'enrichit au fil des années grâce aux activités commerciales de ses 4 maris.
Et lorsque ses fils furent grands, elle avait des biens considérables à leur léguer en héritage. Après avoir beaucoup réfléchi sur l'utilisation de toutes ses richesses, elle fut éclairée par son vœu et une idée lui vint. « Ah oui, je vais construire un stupa. » Elle s'en alla donc voir le roi du Népal pour lui demander un terrain et la permission de construire un grand stupa. Le roi lui donna ce terrain ici, à Bodnath, et elle commença avec ses quatre fils la construction du stupa. Grâce à un travail ininterrompu, elle réussit à monter le stupa jusqu'à 13 niveaux au-dessus des yeux. Au moment précis où il terminait le dernier niveau, une pluie de fleurs descendit des cieux. C'était le signe pour Apurna qu'elle devait rejoindre le paradis. Avant de mourir, elle fit des souhaits et des bénédictions pour les vies futures de chacun de ses quatre fils. L'un était destiné à devenir le roi tibétain Chisong Detsen, l'autre Padmasambhava, le maître né du lotus, le troisième un abbé et le quatrième un médecin. Ce sont ces quatre personnes qui firent du bouddhisme la religion du Tibet. À la suite de leurs souhaits, les frères constructeurs du stupa reprirent naissance au 8e siècle de notre ère, chacun dans une région différente et lointaine de l'Himalaya. Mais grâce à la force de leurs vœux, ils se retrouvèrent un beau jour au Tibet, dans un désert de sable, afin d'y construire un monastère qui allait devenir un haut lieu de pèlerinage. Samye fut le premier monastère bouddhiste du Tibet. C'est sur le lieu de sa naissance, au nord du fleuve Tsangpo, que le grand roi Trisong Detsen en initia la construction au 8e siècle. C'est la raison pour laquelle il a une telle importance pour les Tibétains. Ce monastère fut construit grâce au souhait et à la connexion de trois personnes. Trisong Detsen, le roi du Tibet, Shantarachita, un grand sage indien, et Padmasambhava, qui, né en Odiana, dans le Pakistan actuel, fut celui qui enseigna le bouddhisme tantrique au Tibet. C'est donc la réunion de ces trois personnes qui permit la construction du monastère de Samye. Le nom de Padmasambhava signifie « celui qui est né du lotus ». Il est considéré comme le deuxième Bouddha de notre ère. Aujourd'hui encore, les pèlerins font des milliers de kilomètres à travers tout l'Himalaya pour le vénérer et le prier. On lui donna le nom de Maître Né du Lotus, car il apparut miraculeusement sous l'apparence d'un enfant assis au cœur d'un lotus au milieu d'un lac.
Padmasambhava a enseigné ici l'histoire du stupa, de sa construction et de la connexion entre les frères bâtisseurs du stupa et le monastère de Samye. Cet enseignement a été transcrit dans une écriture symbolique et cachée ici. Padmasambhava a caché certains de ses enseignements dans des endroits tels que des statues, des rochers, des lacs, et même, dit-on, dans le ciel, cela afin qu'il soit découvert et répandu dans le monde à une époque propice. Au même moment, Padmasambhava demanda à ses disciples de faire des prières pour être ceux qui découvriraient et révéleraient ses enseignements dans le futur. Il y a donc une combinaison entre les bénédictions de Padmasambhava et les vœux de ses disciples qui étaient présents lorsqu'il a dissimulé le trésor spirituel. Et c'est ce qui leur permet de s'en souvenir dans une vie future. C'est cela que l'on appelle un terma, un trésor spirituel, et celui qui le redécouvre, un tirthana. Le support de ces trésors spirituels est appelé Shoksel. Ce sont des parchemins jaunes sur lesquels les disciples de Padmasambhava ont transcrit ces enseignements. Pour cela, ils ont utilisé une écriture symbolique que l'on nomme écriture des Dakini ou des fées célestes et qui constitue une sorte de clé mentale. Mais par sa bénédiction, Padmasambhava a aussi déposé des trésors spirituels directement dans l'esprit de ses disciples. Autour du grand stupa, la ronde magique est incessante, de jour comme de nuit, créant une chaîne ininterrompue d'offrandes et de prières pour la paix de chacun et du monde en général. Je viens faire des offrandes de lampes et prier pour ma mère qui vient de mourir. Je viens à 5 heures avant d'aller travailler. Je ne me sens pas bien si je ne peux pas venir offrir des lampes chaque jour. Après avoir été retrouvé par un tertön au XVIe siècle à Samye, le terma du grand stupa fut transcrit en tibétain sous la forme d'un livre. C'est Gyani qui le conserve aujourd'hui à Bodnath.
Au Tibet, ils font toujours comme ça. Ils gravent les textes sur des blocs en bois. Tous les livres sont imprimés comme ça. Ce texte de Padmasambhava parle du stupa. Il dit qui l'a construit, comment il a été bâti et ce qu'il signifie. Il décrit les bienfaits qu'il engendre et les fruits que l'on peut attendre des offrandes qu'on lui fait, comme les drapeaux de prière, tourner autour de lui, faire tourner les moulins à prière, allumer des lampes à beurre. Tout est décrit dans ce livre. Si rien apparemment ne modifie la ronde qui ceinture jour après jour les pieds du grand stupa, les soubresauts du monde extérieur atteignent pourtant les êtres qui y vivent. De retour à Bodhnath, nous découvrons que Sonam, le propriétaire du Happy Valley, s'est rasé la tête. Une façon de rendre hommage à la famille royale du Népal, dont l'assassinat un an plus tôt a bouleversé tout un peuple. Selon les enseignements du bouddhisme, les offrandes de Sonam et ses vœux de paix doivent apporter un contrepoids indispensable à la violence des hommes. Autour du grand stupa, chacun apporte à sa manière une contribution à l'équilibre du monde. Et ce n'est pas l'apparence du geste qui compte, mais l'intention. Même les pigeons qui les vantent ne sont pas nourris par hasard, mais pour que l'air agité par leurs milliers d'ailes disperse sur le monde les prières de paix inscrites sur les drapeaux qui le parent. Car dans ce monde, rien ne se perd. Le vent, la terre, le feu, l'eau et l'espace deviennent eux-mêmes porteurs de la bénédiction des prières. C'est la raison pour laquelle on imprime des drapeaux aux couleurs des cinq éléments, pour les offrir aux vents qui balayent le grand stupa et qui déposeront ensuite sur notre terre la paix recueillie au passage. Je m'appelle Maïla. Je ne fais pas grand-chose. J'ai une vache dont je m'occupe et je travaille ici. Je suis venu pour la première fois à 12 ans et j'ai commencé à 14 ans. Maintenant, j'ai 84 ans. Donc je travaille ici depuis 70. Oui, depuis 70 ans. Nous sommes les Joshi Shrestha. Et depuis l'époque de mes ancêtres, c'est nous qui montons là-haut. Oui, depuis le début, depuis que le stupa a été construit, c'est nous qui montons là-haut. Qui sait pourquoi? C'est écrit dans les documents. C'est toujours nous qui le ferons. Et on n'autorise personne d'autre à le faire. Depuis combien d'années? Depuis que mes ancêtres sont là. Alors, allez savoir depuis combien de temps?
C'est là depuis 2000 ans. Alors le temps. À l'intérieur du stupa, il y a, dit-on, un étang de lait. Un jour, un homme a rabattu son oie depuis Namu jusqu'ici. Et comme l'oie entrait dans le stupa, il l'a suivi. Ils ont été comme emportés dedans. Ils sont restés là, près de l'étang. Il y est resté toute la journée, jusqu'à ce que le moment soit venu de ramener l'oie. Il a donc attrapé l'oie et il est reparti. Quand il est arrivé chez lui, on lui a dit « Mais tu étais où? Tu es parti pendant 12 ans. » Alors il a raconté qu'il était resté là toute la journée, à jouer au dé à l'intérieur du stupa, qu'il n'y était resté qu'une journée. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé? Mais pour sa famille, il y est resté pendant 12 ans, voyez-vous? Il y est resté pendant 12 ans à l'intérieur. Je pense qu'il doit y avoir un lac à l'intérieur. Sur le côté nord, il existe effectivement une petite fontaine. Et tous les 12 ans, l'année de l'oiseau, il en sort de l'eau. J'en ai recueilli moi-même une fois. Un jour, il y a eu une grande pluie. Et au même moment, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, de l'eau sortait de la fontaine et une très vieille dame m'en parlait. J'ai pris mon parapluie et je suis allé voir. Il y avait déjà de l'eau dedans. Je l'ai vidé et le bassin s'est rempli à nouveau. Je l'ai vidé une autre fois et il s'est encore rempli. J'ai alors mis la main dedans. L'eau était chaude. J'ai été chercher un récipient et je l'ai rempli avec cette eau. L'eau que j'avais gardée chez moi changeait de couleur. Elle était parfois rouge, parfois bleue, parfois jaune. Elle changeait de couleur de jour en jour. Et je l'ai gardée chez moi pendant plusieurs mois. Un jour, Trichik Rinpoche est venu et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai donné de cette eau, il l'a mélangée avec de la farine et il en a fait des pilules de longue vie. C'est ici que j'ai vu de l'eau sortir pour la première fois. Et depuis, j'ai entendu dire que deux ou trois fois, à des intervalles de 12 ans, elle était sortie à nouveau. Mais je ne l'ai pas vue moi-même. Tout n'est pas merveilleux dans le livre du Grand Stupa. Le maître né du lotus y prédit aussi sa ruine. Une prédiction dont les termes sont étrangement d'actualité. Elle dit ceci. Alors que l'univers avance vers la conflagration finale, le poids de l'obscurité se fait plus lourd. Il n'y aura aucun répit dans le développement de l'égoïsme et ses conditions amèneront la ruine du grand stupa.
Les corrompus et les égoïstes seront des gouvernants. Des avares et de grossiers démagogues deviendront des potentats locaux. Les écritures et les images sacrées seront profanées et volées. Des ivrognes prêcheront la voix. On écoutera la vie de flagorneurs alors que des escrocs se vanteront de leur pouvoir psychique. Les signes annonçant ces temps se manifesteront par l'apparition de nouvelles et fantasques modes vestimentaires. Autour du stupa, la pression de la ville se fait de plus en plus forte et sa violence y déborde souvent. Aujourd'hui, les souhaits des deux barbouilleurs célestes se sont réalisés. Jikten conduit un camion. Il est aussi devenu le chef des peintres du stupa. Quant à Asok, il est militaire. Asok est content de ce qu'il fait. Il travaille pour le pays, mais en ce moment, c'est dangereux à cause des problèmes de guérilla maoïste. On ne peut pas trop en parler. Les deux copains qui étaient partis avec Asok sont morts, et lui, il a été à l'hôpital avec une balle dans le ventre. Partout dans le monde, on n'entend parler que de mort et de catastrophe. Et c'est pareil pour le Népal. Jamais personne ne parle de bonnes nouvelles qui font plaisir aux gens. Nous vivons une période difficile. Pour le moment, ça va encore, mais plus tard, ça va devenir de plus en plus dur. C'est ce que le maître né du lotus a dit. Il avait déjà prédit ce qui se passerait au Tibet. Les choses changent. Et partout dans le monde, ça change aussi. Quand le monde va mal, c'est normal que je m'inquiète. Alors je fais des prières. Il faut faire des prières pour se sentir en paix. Si le grand stupa reste encore un lieu de paix, autour de lui, l'Himalaya, comme le reste du monde, est la proie de la violence et de la guerre. Au Népal, la guérilla entre les maoïstes et le pouvoir a déjà fait 5000 morts. Depuis 50 ans, les Chinois tentent de détruire la culture du Tibet. Après avoir fait mourir plus d'un million de Tibétains et détruit presque tous les monastères, ils ont remplacé les drapeaux de prière du Potala, l'ancien palais du Dalai Lama, par de simples drapeaux de couleur flottant sur un musée. Tourisme et dollars obligent. La résistance du Dalai Lama et de son peuple procède de la même démarche que celle des habitants du stupa. À tout acte de paix, on obtient un résultat de paix. C'est la loi bouddhiste, celle de l'interdépendance, celle de la non-violence. Le maître né du lotus a effectivement prédit la ruine du grand stupa. Mmh.
De même qu'au Tibet, les monastères et tous les stupas ont été détruits. Il viendra un jour où le stupa de Bodhnath, lui aussi, disparaîtra. Tout est impermanent. Rien ne dure éternellement. Le stupa a déjà été abîmé, restauré de nombreuses fois, et à chaque fois, il s'est trouvé plus grand et plus beau. Ils sont en marche depuis très longtemps. Une longue marche où chaque pas, chaque acte de paix, les rapproche de l'éveil, de l'état de Bouddha. Ce soir, pour que cette paix se répande sur le monde, ils ont allumé 100 000 lampes à beurre.